Здравствуйте, дорогие друзья! Bonjour les amis! C'est Vonia, Novi Orok. Aujourd'hui, une nouvelle leçon. Sport et jeu. Sport i igri. Snatchala yadam vam spisok slov apatom grasmotrim nekatori e frazi setimi slavami. Вы готовы? Давайте начнем. Le football, football. Le hockey, hockey. Le basketball, basketball. Le volleyball, volleyball. Le tennis, tennis. Le ski, lyji. Les dames, shashki. Les échecs, shahmati. Le jeu de cartes, karti. Сейчас рассмотрим некоторые фразы с этими словами. Le football est populaire dans de nombreux pays. Football популярен во многих странах. Le football est populaire dans de nombreux pays. Le hockey est pratiqué surtout dans les pays froids. Фраке в основном играют в холодных странах. Le hockey est pratiqué surtout dans les pays froids. Il est préférable d'être grand pour jouer au basketball. Чтобы играть в баскетбол, лучше всего быть высоким. Il est préférable d'être grand pour jouer au basketball. J'ai joué. О, извините, отпечатка это SDS, c'est un ER. J'ai joué au volleyball quand j'étais jeune. В юности я играл волейбол. J'ai joué au volleyball quand j'étais jeune. Roland Garros est un tournoi de tennis qui a lieu tous les ans en France. Roland Garros, tennis ni turnir, который проводится каждый год во Франции. Roland Garros est un tournoi de tennis qui a lieu tous les ans en France. Le ski est beaucoup pratiqué dans les pays d'Europe du Nord. Катание лыжи широко распространено в странах Северной Европы. Le ski est beaucoup pratiqué dans les pays d'Europe du Nord. J'aime bien le jeu de dames, mais je préfère les échecs. Я люблю шашки, но предпочитаю шахматы. J'aime bien le jeu de dames, mais je préfère les échecs. Le tarot est un jeu de cartes très populaire en France. Таро очень популярная карточная игра во Франции. Le tarot est un jeu de cartes très populaire en France. Oups. Вам пришли в голову другие слова? Напишите их под этим видео. Au revoir, les amis. Et à très bientôt. Paka paka.
Au revoir.